Hey, bonjour à toutes et à tous, moi c'est Esmé, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle partie de ce Let's Play consacré à Civilization 5 en compagnie des Perses. Alors on va de suite continuer ce qu'on a laissé de côté la dernière fois, donc on est resté sur une paix blanche, alors ce que j'appelle paix blanche avec le Danemark, c'est-à-dire sans concession, et on avait mis notre plan à l'œuvre, c'est-à-dire qu'on a réussi à prendre Anvers, donc ça va être une guerre qui va prendre du temps, hein. C'est un peu la première faction dans le jeu, et ils ont une très grosse armée, comme vous pouvez le voir ici, ils sont toujours premiers. Et nous on est un peu derrière, mais ça suffit largement avec l'aspect stratégique, on arrive à plus ou moins se débrouiller. Alors Anvers c'était une destination très importante puisque ça nous permet d'avoir une tête de pont plus ou moins sur le continent, de se débarrasser de ce goulot-là qui nous a quand même très bien servi pour faire les premiers pas sur le territoire danois. Et maintenant on va déplacer toutes nos armées ici, attendre d'avoir fusé, améliorer nos artilleries et avoir donc les artilleries à roquettes qui vont être largement supérieurs à ce qu'on a actuellement et qui vont faire fi d'un peu toutes ces unités d'infanterie qu'il a, parce que je vois qu'il en a beaucoup. On va se débrouiller comme ça, mais pour ce faire, il nous faut de l'argent et on roule pas sur l'or actuellement. Mais on va vendre un peu d'aluminium, on n'aura pas besoin de 11 d'aluminium, je vais lui en vendre 5. On va faire 337, ça fait même pas une amélioration d'artillerie à roquettes, il me semble que ça prend 450 voire plus. Enfin, on verra ça au fur et à mesure. Alors, dès qu'on aura la possibilité aussi, on demandera donc aux Polonais de redéclarer la guerre aux Danois. Et nous, on fera ça juste derrière, un peu comme on l'avait fait la première fois. Est-ce qu'on peut bouger nos avions? Oui. On bouge un chasseur ici. Tour suivant. Non, pas tout de suite. J'ai besoin de mon argent. Comme ça, on peut le faire. De toute façon, on va la reperdre dans 10 tours. Ah, il a dû faire la paix avec lui aussi, donc juste avec Almaty. D'accord. Allez, on va déplacer notre armée, c'est le moment. Toi, on peut laisser en intercepter. Toi, on peut te mettre dans la ville. On peut l'améliorer en cuirassé, oui, 580, c'est énorme, on va pas faire ça tout de suite. On va ramener nos unités plutôt. Alors, nos unités d'artillerie. Le problème, c'est qu'on n'a plus beaucoup d'unités au corps à corps, malheureusement. Donc, on va te sortir de la ville. Plutôt mettre une unité d'artillerie là-dedans. Ouais, ce sera plus simple de passer par l'océan. Allez, toi pareil. Qu'est-ce qu'on va faire avec notre canon anti-aérien? Ça va prendre 20 ans. Oui, ça fait beaucoup de mouvements. Ah, faut quand même qu'on laisse de quoi défendre le flanc, au moins la citadelle ici. Hein. Ah, il ne peut pas bouger. On va le mettre là en attendant. Et on approche un peu nos bombardiers qui nous ont été très utiles jusqu'à présent. Hop. Malheureusement, on peut en mettre que 5. Hein. Ah non, 6. Oh, parfait. On a un bombardier supplémentaire qui arrive. On a mis en file d'attente un sous-marin qui va nous permettre d'avoir la vision. Et que Tavan crie famine. Pourquoi? Toujours? Ah oui, il nous faut un bateau atelier ici, hein. On va vite le faire. D'ailleurs, il nous en faut un peu partout puisqu'on peut exploiter le pétrole ici maintenant. Connexion urbaine établie. D'accord. Abrogé. Non promulgué, ça c'est bien. Financement artistique adopté, donc ça nous avantage nous puisqu'on est parti sur quelque chose de scientifique. Et on a les élections truquées ici. Et à Ormus, hein, qui sont nos deux cités-états alliés. C'est parfait. Allez, tour suivant. Non. Donc je vais regarder à tous les tours s'ils veulent bien leur déclarer la guerre, là. Les Polonais. On va faire ça de suite, d'ailleurs. Non, pas encore. Ça fait pas longtemps qu'ils ont fait la paix, donc ça m'étonne pas trop. Là, on avait dit quelque chose de safe. Xian. Ouais, c'est bien. On va éviter de les perdre cette fois. On va bouger un peu nos artilleries là. On va le soigner, intercepter, oui, intercepter, dormir, 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 et dormir. Puis on peut te laisser là. On va bouger nos artilleries là. Toi tu vas te soigner. Et en ce qui te concerne, on va débarquer dans la ville. Le canon anti-aérien, on va en avoir besoin. L'artillerie qui est ici aussi. Toi aussi. Tu devrais te laisser dans le coin sur la citadelle.
Voilà, parfait. Allez, tour suivant. Donc on va avoir fusée au prochain tour. Vous allez voir, c'est très très cher de faire les artilleries à roquettes. C'est un peu le problème. On a gagné un scientifique, ça c'est très bien. On va voir si on claque tout de suite ou pas. Comme vous pouvez le voir, voilà, 530. Donc on peut en faire deux techniquement. On va prendre celles qui ont plus d'expérience. Non, non. Celle-ci est pas mal. Ah ouais. On va améliorer celle-ci, mais on va la bouger déjà. Bon, on va le faire à ce tour-là. Alors le canon anti-aérien, très intéressant aussi. On va le bouger. Ça nous fait une unité de corps à corps, hein, donc c'est important. En attendant, tu fais rien. Toi, tu peux rester dans la ville. Toi aussi. Toi, tu peux rester là. C'est pas un problème. Alors, en ce qui concerne les technologies maintenant, évidemment, il nous faut satellites. On laissera certainement pas le télescope spatial Hubble à la Pologne. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai mis en file d'attente un ingénieur illustre que je vais avoir maintenant. Il nous servira à rusher le télescope spatial. En plus de nous dévoiler la map, il nous filera deux scientifiques. Combien ça me donne là si je le claque maintenant? 5000. Et la technologie coûte 15 000, donc voilà, on va attendre qu'il gagne un peu de science. Ça sert à rien de le faire maintenant. Suivant. Ah oui, ça on va accepter, c'est très bien. Alors vous allez voir, hein, les artilleries à roquettes, ça va faire le café hein, là-dedans. Bon, il y a quelques unités assez marquantes, mais c'est pas le problème. Allez, viens là. Alors par contre, on va un peu se répartir de manière plus intelligente. Alors quand je dis de manière plus intelligente, c'est que tes unités au corps à corps devant. Et on va l'avancer, donc on n'a pas l'argent pour améliorer nos autres artilleries. Toi pour l'instant on peut te laisser là. Toi aussi. Cavane crie famine. Encore malgré la... Non, stagnation, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On a réglé le souci là-bas. Ça c'est les cases d'océan. Puis on va remonter un peu notre économie parce que bah voilà, on a quelques navires marchands. Ouais, je vois qu'il y a des navires ici aussi. Alors, est-ce qu'il leur déclarait la guerre hein? Non, toujours pas. Bon, c'est pas grave, tour suivant. Non, ça m'intéresse absolument pas. Qu'est-ce que je vais aller foutre là-bas? Allez, allez. Route commerciale à l'épée. Ils sont toujours en guerre contre les Suédois. Ils ont réussi à reprendre cette ville-là. Bon, c'est pas grave. Il y a un de population. Hein. C'est super intéressant, du coup. Alors, on va avancer le canon anti-aérien ici. On va même le mettre là. Le soldat ici. L'artillerie. Notre artillerie, on va la laisser là. La cavalerie, on va la mettre là. Mais ça fait beaucoup de 6 et demi. Attends, on va essayer de te mettre dans le coin. Alors, en ce qui te concerne... On va essayer ça là-bas. Hein. Ça fait pas beaucoup d'or pour des routes commerciales maritimes, mais bon. On n'a pas trop le choix. On va de nouveau regarder. Histoire de maximiser le nombre de tours, hein, évidemment. Suivant. Ils ont repris Almaty, ouais, pourquoi pas. Allez. Là on est bien placé donc c'est cool. On génère plus beaucoup d'argent malheureusement. On n'aurait pas perdu une route commerciale par hasard. Si, voilà. Je me disais bien. Il y a encore un navire là. C'est de la cité-état. Alors il nous faut techniquement un bateau atelier ici. Même deux. Et un bateau atelier ici. On va le faire tout de suite. C'est pour le pétrole. Si on peut avoir des bombardiers en plus, je dis pas non. Le pas pour 7. Non. Eh ben ça sera pour 6. Ça me va aussi. Allez, allez.
Ah, ils sont longs les tours, hein, fin de partie. Bombardement 1, bombardement 2, et on va le rebaser à part Sagade. Vous pouvez rester là. Qu'est-ce que j'ai mis en file d'attente là? Parce que je dirais pas non contre une unité corps à corps supplémentaire. Qu'est-ce qu'il y a à faire ici? Le projet Apollo, oui, ça va forcément, il va falloir passer par là. Je vais juste faire une unité d'infanterie avant. Voilà, ça me prendra que 8 tours, c'est pas long. Juste vérifier encore une fois les polonais. Non, toujours pas. Et pour le reste... Ah oui, mais il y a des cases à réparer là, je suis bête. On est là les ouvriers. Au lieu de fainéantiser là. Il y a peut-être des cases à améliorer dans le coin là, qui servent pas à grand chose. On va ramener les ouvriers par là-bas. Tour suivant. Là, il y a deux routes qui ne servent à rien. Hein. On va pouvoir les enlever. Libre passage, non. Par contre, je vais l'acheter dans sa direction. Parce qu'on partage la même idéologie. Voilà, je pense que je le fais déjà avec les Polonais. Si c'est pas fait, c'est une erreur. Voilà, c'est une erreur. Voilà, on va en profiter pour regarder. Non, toujours pas. Tant pis. Alors, les routes commerciales supplémentaires, on va l'envoyer avec Taban quand même. Parce que là, on n'a plus eu grand chose qui part depuis, depuis Susa. Et on peut choisir une construction. Et je vais faire un laboratoire de recherche. Faut pas négliger la science même si on est devant. Voilà, 59 technologies, on doit être à 61. Voilà, 61. On est vraiment en train de chercher des technologies qui prennent du temps. Alors, on peut réparer ça. Voilà. Toi tu vas aller réparer ça. Et toi tu vas venir dans le coin. Le bombardier, on le laisse ici. Les cavaliers aussi, la machine gun, on la laisse là. Je l'améliore pas tout de suite parce que j'ai encore pas mal de roquettes artillerie. Et on a eu notre ingénieur, ça c'est bien parce que ça va nous permettre de construire le télescope spatial. Allez, tour suivant. On peut lui vendre du cuivre, mais on va pas le faire parce que ça sert à rien. Alors, toi tu peux rester là. Il y a un ouvrier ici. Ce serait bien de continuer la route. Bien que... On va attendre ça. Et toi, voilà, le Vatican. Viens par là. Cette case n'est pas accessible de toute manière. Il y a une route sur la citadelle? Je sais pas, on va regarder ça. Il génère 400 de gold par tour quand même, le Danois. Ah, voilà. Oh, il demande rien en plus. Parfait. Allez, va l'occuper un peu. Ah bah ils ont repris la ville, c'est bien, ils arrêtent pas de la flip à tous les tours, alors du coup il n'y a plus qu'un de population là-dedans. Ah, ça va lui permettre de décaler ses armées. Et nous on en profitera comme on l'a fait la première fois. Ah vous voyez, hein, c'est beaucoup plus accessible, hein, que ce soit Oslo, Viborg, ou toutes les autres villes au-dessus là. Unité en attente d'ordre. Viens m'enlever la route là. Ah ça fait du pétrole. Ça on répare. Un sacré tile ça. Hein. C'est sympa. Du coup on a re-récupéré de l'essence. Et on va encore en récupérer ici. On est vraiment en train de créer une armée sympathique là. Et du coup je pense qu'on peut faire un bombardier là. Ou un autre sous-marin. Ouais, on va plutôt faire un autre sous-marin. On va garder Persepolis pour faire la construction d'avion. Bon ben voilà, maintenant il n'y a plus qu'à... Il n'y a plus qu'à attendre que le traité de paix se termine, puis on redéclare la guerre derrière. Ce qui serait sympa, c'est qu'on ait des deals qui se terminent pour récupérer de l'argent pour améliorer le reste d'artillerie. Un artiste. Ouais, bon, on n'a même pas de quoi le claquer. On n'a pas la place, donc on va déclencher un âge d'or. Ce qui est très bien avec les Perses, d'ailleurs. Ce qui dure beaucoup plus longtemps. On n'a plus que 9 de bonheur. Pourquoi? On doit subir des pressions idéologiques, je pense. Ouais. Pologne, Suède, c'est normal. Ouais, Byzance encore. Attendez. On va leur faire le même coup qu'avant. Pour 5 de pétrole. Jak ci się podoba moja oferta?
Oui, value pétrole. Jak ci się podoba moja oferta? Déclarer la guerre à Théodora. Jak ci się podoba moja oferta? Ça fait quoi? Ça se fait 3 d'or par tour? Non, 5? Nie. 6? Nie. Bon, ça fait un peu cher quand même, bonhomme. Nie. Mais je lui donnerai pas mon pétrole, ça c'est clair. Je préfère lui donner 8 d'or par tour, voilà. On va retirer la route ici. Très bien! Ton avis compte, oui, avec ta pauvre cité tout au nord de la carte. Air atomique. Ah, il vient juste de rentrer ici, hein, vous voyez. Comme quoi, on a cherché des technologies qui étaient vraiment très très longues. D'où il vient? Ah oui. D'accord. Non, voilà, vous voyez, avec ta banne, hein, je vais pas le faire partir d'ici. Ouais, ça allait à l'Aventa. Mais c'est pas safe du tout, ça. Bon, là, vous voyez, avec ta banne. Hein. C'est très bien comme ça. Oui, donc fais-moi une route. Et toi, fais-moi une route aussi. Ah, le sous-marin, ça, c'est une bonne chose, par contre. On peut lui donner déjà une promotion en plus. Donc, mettre le loup 1, mettre le loup 2. Ah, on a l'argent pour améliorer l'artillerie supplémentaire, donc ce sera toi. Tour suivant. Faut que je bloque la route là. S'il est un peu pénible avec ses unités. Refuser. Allez, allez. On va lui bloquer la route ici. Ah, je peux passer une case à lui, ça? Mettre mon lancer là. Tu dois pouvoir aller quelque part. Ah, Helsinki, voilà. On n'a pas bien le choix. Et toi, on avait dit que tu irais ici. Donc ça, cette case, faut la bosser, évidemment. Alors, on va garder la production ici. On va enlever ça là, on va le mettre là. Voilà. Attends, on va te garder dans le coin pour faire fi des bateaux de Samarcande, c'est évidemment quand on lui déclara la guerre, elle nous déclara la guerre aussi. La route a été retirée, oui. Oh, tu vas retirer la route ici. Toi par contre, on va te mettre dans la ville. On va te mettre là. Retire-moi la route. Tour suivant. Allez, allez. Ah voilà, ça c'est bien. Ils ont libéré Belgrade. 44, 106, ça c'est impossible. Ah, ils ont repris du coup les deux villes là. Ah, notre unité d'infanterie, ça a été rapide. Couverture, à le ramener dans le coin. Cet ouvrier, il faisait quoi? Il faisait une route, je crois. Vous voyez, comme celui-ci. D'ailleurs, je pense qu'on peut faire une voie ferrée plutôt qu'une route. Je suis un peu bête, moi. Donc toi, c'est pareil. Moi, une voie ferrée plutôt. Choisir construction. Alors, on a fait une unité d'infanterie. Faudrait qu'on le fasse, ça, le projet Apollo, tout ou tard, de toute manière. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Une cour de satrape. Équivalent de la banque. Non, c'est pas très intéressant. Une tour de radiodiffusion, ouais, ça, il va nous la falloir, c'est évident. On a dit qu'on ferait un bombardier avant. Ensuite, on fait une tour de radiodiffusion et on refait un bombardier. Ça me paraît très bien comme ça. Et là, il va nous falloir un laboratoire de recherche. Yes. Il a été fait ici. Est-ce que je le bosse là? Ah non, ça c'est une erreur de ma part. 10 tours avant d'avoir un citoyen. On peut enlever cette case-là qui sert pas à grand-chose. Ah, c'est bien comme ça. Parfait. Donc, il nous manque combien? Encore 5000 et on claquera le scientifique qui nous rapporte déjà 500, quasiment 500 de science en plus. Tour suivant. Où est-ce que j'ai mis mes intercepteurs? Ça, c'est une bonne question. Ils sont là, les deux. Hein. Et les deux sont en interception. Donc, oui.
On va les réveiller, intercepter, je veux juste être sûr. On va les réveiller, on va les intercepter, oui si c'est bon. Viens ici pour nous faire du pétrole. Malheureusement la case on peut pas la travailler. Donc là la route on l'a enlevée. Donc il n'y a pas grand chose à faire dans le coin. Ce n'est une mine ici mais ça c'est déjà fait. On peut laisser le trading post ici, se fait de l'argent. Je pense que je vais même en refaire un là. Vu qu'on va la garder la ville au final, autant faire en sorte qu'elle nous rapporte de l'argent. Reculer d'une case. Je vais plutôt te mettre là-haut. On a gagné cette case. Elle nous est pas utile non plus. Écoute. Libre passage, non ? La Chine a dénoncé la Pologne. Kiev vous échappe, mais ça on s'en fiche. Et tu viens là. Et elle peut revenir ici. Fin du traité de paix, on fournit plus de cuivre, fin du traité de paix, et on fournit plus de cuivre. Alors attendez, est-ce qu'on peut faire 360 d'or là? Oui. Ah, welcome. 360 proposé. Ce qui va nous permettre d'améliorer cette artillerie à roquette là. Du coup, il nous en manque une. De toute façon, on va lui déclarer la guerre, là, quoi qu'il arrive. Ah, il a des sous-marins, lui aussi. Tour suivant. Bon, il est en train de se faire rouler dessus dans le nord, c'est une bonne chose, parce qu'il n'y a plus ses avions, du coup. Casimir a déclaré... Ah, waouh, il a mis en guerre contre tout le monde, lui aussi. Assez... Il se faire gaffe, est-ce qu'ils reviennent pas trop sur nous? Normalement, non. Pologne très forte en fin de partie, hein, évidemment. Mais c'est bon, il a fait un autre choix de technologie, donc c'est... C'est bon comme ça, il y a beaucoup d'unités d'infanterie, là. Waouh. Ouais. Unité en attente d'ordre. Donc là, on a récupéré, ça sert à rien de le laisser. On reste ici. Non, techniquement, on pourrait un peu tout faire sauter. Hein. Il a pas grand-chose. Je pense que c'est ce qu'on va faire. De toute manière, il va falloir qu'il se split tôt ou tard. Je suis juste en train de regarder. Il y a encore un navire là, c'est pénible. C'est vraiment pénible. Hein. Regardez ce paquet d'unités là. Persepolis crée famine. Pourquoi? On va initialiser les cases. On va faire ça comme ça, on n'a pas le choix de toute manière. On va juste lock les cases intéressantes là. Celle-ci, il n'y avait pas de landmark hein, dans le coin. Les cases qui valent le coup. Et les autres, il fait comme il veut. On peut faire favoriser la production du coup maintenant. Voilà. C'est mieux comme ça. Et on va lui renvoyer la caravane. Parfait. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on déclare la guerre tout de suite ou pas? On va juste regarder, démographie, j'aimerais bien voir l'historique des accords. Tour 415, c'est un peu d'or et ça nous permettrait d'améliorer notre dernière artillerie. Et c'est ce que je vais attendre. Et après, c'est reparti contre les Danois. Ça nous occupe la fin de partie, parce que techniquement on est parti sur une victoire scientifique vu comme c'est parti là, mais... Parce que je pense pas qu'on aille jusqu'en Pologne là-bas. Une mine à faire ici, ouais, il fait un comptoir commercial, c'est bien aussi. Va te mettre dans la ville du coup. Ah oui, continue. Choisir une production, donc on a fini l'usine là, je vais faire un sous-marin, j'en aurai besoin. Donc ça nous en fera 3 en tout et pour tout. On aura bombardé de plus, ça c'est très bien, si on attend l'accord.
Kremlin. Byzance a perdu sa capitale encore une fois. Pourquoi pas. Ça c'est bon. On peut te renvoyer faire dodo quelque part. Adopter une doctrine. Alors là on n'a pas le choix, il va falloir partir sur quelque chose qui nous donne du bonheur. Observatoire, école publique et laboratoire de recherche. Ouais, je vois pas ce qu'il y a de mieux. Qu'est-ce qu'il y a ici? Atelier, non. Alors que c'est pas mal aussi. Usine, centrale solaire, centrale électrique. Non, c'est mieux ça. Hein. Ouais. Voilà, on est passé à 15 de bonheur. Ah, le fer à Casimir. Monsieur. Oh non, il n'achète plus. Peut-être le suédois. Oui, il l'achète. 2. 135. Proposé. Et on est... Il nous manque... 30 PO. Donc au prochain tour. Allez, allez. Oui, ça en accepte, bien sûr. Tu peux dormir. Et un bombardier de plus. Bombardement 1, bombardement 2. On va l'amener ici pour qu'il soit plus près. On va améliorer cette artillerie, c'est la dernière. On va choper une case ici, mais elle ne sert pas à grand chose. Et on a nos sous-marins au fil d'attente. La tour de radiodiffusion, oui, c'est important, un minimum quand même. Et on a presque assez là avec le scientifique 5596, donc on va claquer au tour suivant. Et on lancera la production du télescope spatial. Ah, il a bougé pas mal d'unités là. Ok, le bombardier tu peux rester là. Toi tu peux rester là. Allez, on va l'utiliser. Voilà, un tour. Un tour, elle est en train de faire un hôtel, oui, c'est normal. Qu'est-ce qu'on a fait là, un sous-marin? Il va nous falloir un laboratoire de recherche, évidemment. Ouais, bah oui, on va rien lui vendre, non, je suis bête. On a récupéré des fourrures. J'avais même pas fait attention. Hormis sélection truquée, voilà. R de l'info. On va te renvoyer d'où tu viens. Et bien sûr, le télescope spatial qu'on va rusher. Voilà, on l'aura dans 5 tours. Il n'y a aucune chance que les Polonais nous le prennent. Alors ça donne l'impression, parce qu'ils sont à 61 technologies, on est à 62, mais nous on vient de rentrer dans l'ère de l'info, il vient tout juste de rentrer dans l'ère atomique. Ça veut dire qu'il a recherché qu'une des premières techs devant et qu'on a cette technologie-là de retard. Et d'ailleurs, en parlant de technologie, qu'est-ce qu'on va aller chercher? Alors, on va aller chercher théorie atomique, ça c'est évident, pour savoir si on a de l'uranium. Et on verra par la suite. Hein. Un espion a été recruté. Ça c'est bien, on a toujours notre espion sur Oslo. On peut peut-être voir pour une cité-état. 106. 45, 113, 77, c'est beaucoup. 118, 129. 129, 75, 77, c'est laquelle qui est à 45? Kiev. Trouvez sur la carte. Kiev. Bon, on va l'envoyer à Kiev. Ça va l'occuper, petit bonhomme. Déplacé. KKK. Kiev. Voilà. C'est bien. Donc les élections truquées, on réclame du coton, on a eu un espion supplémentaire, et je pense que l'épisode a été suffisamment long comme ça. Alors sur le prochain, la première chose qu'on fera, c'est déclarer la guerre aux Danois, parce que là on est prêt, et vu les avances technologiques qu'on a maintenant, on va clairement leur rouler dessus, ça risque d'être assez amusant. Donc je vous retrouve sur le prochain épisode, et merci d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce vert si vous avez aimé, à vous abonner, ou à laisser vos commentaires, ça me fait toujours très plaisir, et en attendant on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. We'll be right back.